Dans un nouvel environnement. Alors on m'a prêté un petit terrain parce que devant chez moi il y avait trop de camions pour faire de la mécanique. Donc aujourd'hui, comme prévu, nous allons nous occuper du roulement de roue avant gauche pour le remplacer quoi. Donc c'est parti, nous allons commencer par enlever l'enjoliveur. Voilà. Braquer un peu la roue et défaire l'écrou du cardan pour commencer, le temps que la roue est à terre. On va essayer avec un creep normal. Voilà, maintenant on va enlever l'étrier. Avec une... Pas d'écrou? Non, il n'y a pas de rondelle, pardon. Bon, par contre, pour l'autre, je suis obligé d'avoir la rallonge. Bon, par contre, je voudrais éviter de faire une connerie. Allez, fais gentil, reste droite, toi. Ah, là, tu tiens maintenant. Bizarre. Ah.
on écarte un peu les plaquettes, voilà. Ça y est, il est sorti. Bon, par contre, il faut trouver un moyen de l'attacher pour pas que ça pente sur flexible. Bon, j'ai craqué, j'ai dû ressortir le chapeau ridicule, donc j'ai dit que je voulais attacher ça, l'étrier, pour pas qu'il pente sur son flexible. Alors, où est-ce qu'on peut l'attacher? Voyons voir comment on peut. Voilà. Maintenant, on va défaire le disque. Mince, ça doit être dans l'autre boîte. Alors, t'es coincé? Ouais, elle était un peu coincée. Voilà, le moyeu. Je la tourne un peu pour qu'elle s'équilibre. Ah oui, elle, je l'ai oublié, voilà. La rondelle du cardin. Bon, bah, elle sort plutôt facile. Et encore. J'ai un doute. Bah putain, je penserais qu'elle serait plus chiante à sortir. Bah non, elle est sortie très, très bien. Par contre, il y a un morceau du roulement qui est resté dessus. Bon, bah l'intérieur a l'air assez... Allez, on va se mettre droit, pourri. Bon, maintenant, ce que je vais faire, je vais défaire le... Ah, ça y est, j'ai mangé une main. Bon, alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la rotule pour sortir le cardan. Enfin, je vais essayer en tout cas, je suis pas sûr qu'elle vienne correctement. Ah, il paraît que c'est la plus... Il paraît que c'est la plus... que ça sera la plus chiante à sortir, donc on va voir ça. Alors, comment... Il y a une vis et il y a un écrou derrière, c'est ça? Ouais. Par contre, je vais remettre les roues droites pour faire ça. C'est bien serré. Bon, pour l'instant, ça tourne pas dans le vide. Bon, je sais pas si vous entendez de la musique, c'est... En fait, je suis chez Lucas Volkswagen Power et lui aussi est en train de bricoler sa voiture parce qu'il part dans un rassemblement. Et apparemment, ils mettent de la musique pour ça. Moi, j'ose pas mettre de la musique à cause d'une histoire de droit d'auteur. On va essayer un truc. Voilà. Génial, ça atterrit sur une feuille. Je veux pas que ça atterrisse dans la terre. Allez, hop. Voilà, maintenant que ça s'est sorti, il faut le soulever. Alors, le triangle va-t-il tomber tout seul ou on va devoir procéder aux grands moyens? Paraît-il que ça va être la partie la plus chiante à défaire. Alors, par contre, c'est pas fait comme je le croyais. Parce que j'ai acheté... Où est-ce qu'il est? Oh merde, tu vas pas voir que je l'ai oublié. Ah non, elle est là. J'ai acheté ça. Justement pour défaire la rotule. On va voir si ça le fait. 1, 2,
Voilà. Bon bah ça va, elle est bienvenue. Et maintenant pour la remettre, ça va être autre chose. Bon, je la remettrai, j'essaierai de la remettre plus tard, on va essayer de s'en passer pour l'instant. Alors, l'autre morceau du roulement. Bon, elle s'est pas remise tout à fait comme je voulais. On va essayer d'insister un peu. Ah, t'es tout en saleté, dégage. Bon, écoutez, on va laisser tomber ça pour l'instant. Je vais essayer de retirer le... Alors, on m'a gentiment tiré une rallonge. Autant s'en servir. Ah, j'espère que c'est, qu'elle fonctionne. Elle fonctionne. Bon, alors je vais en décevoir certains, mais j'ai dû faire intervenir, j'ai amené ma fusée chez un garagiste qui m'a, pour pas trop cher, monté, démonté l'ancien et remonté le roulement, le nouveau, parce que le marteau-piqueur ne suffisait pas et j'ai beau utiliser toutes les méthodes possibles, imaginables que j'avais pu y aller, il n'y a rien qui allait, donc... Il y a des fois, il faut savoir reconnaître ses limites, et là, justement, c'était ma limite. Donc maintenant, on va remonter la fusée sur la voiture, et puis ce sera tout. Bon. Ah oui, comme vous pouvez le voir, j'ai amené du coup la deux chevaux pour amener la voiture au garage. C'est Lucas qui m'a redescendu chez moi. Et moi je suis remonté avec la deux chevaux parce que Lucas devait absolument partir à son rassemblement. Donc faut pas trop l'enfoncer, faut juste le forcer jusqu'à ce que la partie creuse soit dans, passe dans le trou. Voilà, je vois la gorge. Ça y est, je suis bien en place. Là, il faut que je mette maintenant le boulon. Allez. Je suis sûr que c'était toi. Alors. Hop. Bon, je resserrerai après. Pour l'instant, je vais remonter le bras de l'amortisseur. Qui veut même pas remonter d'ailleurs. Pourquoi tu veux pas remettre te relever? Il n'y a pas de vitesse pourtant. Ah, voilà. Comment j'avais fait tout à l'heure? Alors attendez. Bon, alors, finalement, deuxième méthode. Enfoncer le truc à fond. Voilà. Là, il s'enfonce. Je prépare mes vis d'amortisseur. Putain, l'étrier, j'espère qu'il va pas tomber. Sinon, il va falloir que je change le flexible de... Voilà. Allez, l'autre. Boulon d'amortisseur. Les boulons d'amortisseur, toujours le filetage à droite.
pour une, à cause d'une logique à la con. C'est pour être sûr que les boulons ne se barrent pas si jamais les écrous se déboîtent. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Bon, du coup, vu que la fusée est sûrement trop enfoncée, je vais prendre le pied de biche pour le relever légèrement. Alors. Sous le cardan, je vais éviter quand même. Allez, j'ai réussi à le mettre tout à l'heure. Ouais, enfin peut-être que tout à l'heure il n'y avait pas le cardan. Ah, c'est bon. Si le boulon s'est enfoncé, c'est que c'est bon. Bon, voilà, j'ai forcé pour sortir le machin. Maintenant, on va... non, ça c'est la direction. Ah non, c'est bien la fusée. C'est bien l'articulation. Ah non, ni c'est ni l'un ni l'autre. Qui j'en ai mis? Où est-ce que je l'ai mis son micro? Ah, il est là. Maintenant, on va remettre... si possible, on va éviter de perdre les vis. La direction. Voilà. Voilà, je remets tous les écrous et je vais serrer. Hop, les deux de l'amortisseur. Ça finit toujours. Oui. Voilà, je vais chercher ma boîte à embout et on va serrer tout ça. Allez, clé de 17. Ah, et avant qu'on me pose la question, non, je n'ai pas de clé dynamométrique. Parce que on me l'a déjà posé plusieurs fois cette question. Ah, c'est pas vrai. Mince, ça tourne avec. Alors, faut que je trouve... une autre clé de 17. Ou ça d'ailleurs, ça pourrait le faire. Il y a un embout de 17 là-dessus, ouais. Il faut juste que ça rentre. Excusez-moi, je crois que j'ai tapé la caméra contre la carrosserie, excusez-moi. Bon bah voilà, alors maintenant on va remettre le... Attendez, qu'est-ce que... J'ai serré ça... Ah, j'ai pas serré les amortisseurs, voilà, il me semblait que j'ai oublié de serrer un truc. Les amortisseurs, c'est la 19, c'est ça? Ouais, c'est ça. On va déjà les serrer à la main. Bien entendu, ça tourne avec de l'autre côté. Et l'étrier qui me fait de plus en plus flic. Voilà, celle-là c'est bon, c'est l'autre. Allez, voilà. Voyons voir maintenant. C'est le disque, si je me trompe pas. L'étape suivante, ouais, c'est le disque. Alors le disque, il est là. Ces vis, elles sont là. Alors attendez. Voilà. Les vis du disque, elles sont là. Ça sert à rien de visser fort.
Ça, c'est juste des vis qui maintiennent le disque en place quand on enlève la roue. Sinon, c'est les quatre boulons de la roue qui maintiennent le disque en place. Enfin, très fortement. Voilà, maintenant, on peut s'occuper de l'étrier. Alors, attendez, je cherche juste ces boulons. Les voilà. Mettez de l'écrou frein si vous en avez. Ça vaut mieux. Moi, personnellement, je n'en ai pas. Alors... Bon, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais écarter les plaquettes. Enfin, je vais repousser les pistons pour pouvoir les mettre correctement. Voilà. J'espère qu'elles sont bien en place. Ah, pourquoi chaque fois que je fais une grosse vidéo, j'ai des soucis de caméra, elle a la mémoire pleine et l'autre qui est je sais même plus où, là, j'ai oublié de lui mettre une carte SD. Je l'ai laissé sur mon ordinateur. Oh, c'est pas vrai. Bon, ben tant pis. Donc là, j'ai remonté l'étrier. Par contre, je sais pas si vous allez le voir, là, vous voyez que le disque n'est pas plaqué contre le... Enfin, que le plaquette n'est pas plaqué contre le disque. Donc là, maintenant que l'étrier est monté, on va... pomper sur les freins jusqu'à ce que la pédale soit dure. Ça y est, elle commence à durcir. Voilà, alors fais voir. Là, ça y est, la plaquette est plaquée contre le disque. Voilà, maintenant il me reste plus qu'à serrer l'écrou du cardan. Mais je vais mettre la roue avant pour ça, parce que c'est plus facile. Donc je reprends après. Donc voilà, maintenant je vais la redescendre. Alors je vais enlever ce qui me sert de chandelle, c'est une vieille roue de golf, parce qu'on est au pays de la golf ici. Allez. Bon, je vais pas serrer les écrous, je le ferai au sol ça. Je vais enlever ce qu'il y a en dessous par contre. Ça y est, elle est à terre, on va tourner un peu le volant pour pouvoir mettre l'écrou. L'écrou, elle est là. La douille de 30, je ne sais plus où je l'ai mis, je vais la chercher. Bon, je remets la jante tôle parce que ma jante alu n'est pas ici, mais je la remettrai plus tard. Donc là, je vais resserrer avec la barre. Bon, bah, je vais devoir couper parce que j'ai mis la caméra sur la mallette. Allez, un quart de tour, moi je fais toujours, ça suffit. Hop, l'enjoliveur et on frappe. Allez, c'est bon. Voilà, bon, alors, est-ce que je vais vous faire une petite vidéo de balade? Je sais pas, parce que, vu que j'ai plus de caméra, qu'elles sont toutes hors service pour l'instant, je vous dirai si ça va.
Et puis je vais me débrouiller comme je peux pour rentrer chez moi avec les deux voitures en même temps. Je sens que je vais faire de la marche cette nuit. Enfin bon. Allez, sur ce, je vous dis bonne journée ou bonne soirée si la vidéo se termine ainsi. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. À prochainement, le démontage des culasses de la deux chevaux. Voilà. Par contre, pour les queues de soupape, c'est pas moi qui le fera. Je préfère le laisser faire à quelqu'un d'autre. Donc, moi, je vous filmerai juste le démontage des culasses. Voilà. Pour la deux chevaux. Voilà. Bon, bah, je vous dis bonne journée ou bonne soirée. Et mets un pouce bleu si la vidéo t'a plu, même si je ne le mérite pas vraiment. Là, parce que, avec ce roulement. Bon, bah voilà. À plus. Bye bye.